j'entends la porte claquer. Comme tous les soirs, je dors pas, c'est 2h15. Qu'est-ce que ce gosse peut faire dehors si tard? J'aurais jamais cru angoisser comme ça. Lui parler, je crois pas, il a la tête dure comme ça. Repas tendu depuis un an, il me nargue. Faisant preuve d'intolérance gratuite, bêtement il se marque quand les sujets débordent. Et la discussion devient âpre. Autour de nous, les visages se ferment quand les mots tapent. Rebondissent sur les murs de l'incompréhension vivement. Après, j'ai de la courte vie d'un gosse qui a grandi trop rapidement. Comme ces mégots cartonnés que je trouve des fois. L'odeur sur les pulls, le trou de brûlure sur le survêtement. Je réagis sèchement, lui semble s'en foutre. Et ses potes viennent me chercher, musique à fond dans le doute. Je regarde par la fenêtre. Ils n'ont pas l'air très fut-fut, mais les autres parents doivent dire la même chose, mon fils brut. Hier j'ai appris qu'il dormait à l'arrière du bus.